Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom de l'épisode de Starbound V5 Pleased Giraffe, si je me trompe pas, ça fait tellement longtemps. Tellement longtemps, on retrouve le vaisseau et tout. Bon, alors. Oh, il y a des cadeaux à droite à gauche en plus, c'est génial. Viens me donner un cadeau. Viens me donner un cadeau. Ça y est, elle arrive. Cadeau? Oh, 100 pixels! C'est rare qu'une des filles avec qui je couche, c'est elle soit elle qui me paye. Bref, c'est pas grave. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je me rappelle pas de la moitié de ces guns. 3 bandages. D'accord, je me rappelle pas du tout de ces guns. Ça, je me rappelle. Grenade! D'accord, fallait que j'appuie dessus, pourquoi pas. Alors le médecin qui ne me file pas le moindre cadeau. Ouah, une quête. What? What the fuck? Mais ça ressemble à l'interface de la 1.0. What the... What the... D'accord, c'était une réponse entre eux, d'accord. What the... Là, je capte pas. Mais c'est l'interface de la 1.0. Alors attendez, je me rappelle plus du tout, moi. Est-ce que c'était classique? Attendez, je peux pas. C'est quoi ce bordel? Excusez-moi, je suis complètement paumé là. Je suis complètement paumé. C'est normal ou pas? Bon, jusque là, y'a rien qu'à changer, donc ça me semble classique. Non, y'a rien qu'à changer, donc ça devait être normal. Oh la gueule! Oh le vieux doute que ça m'a mis. Ah non, honnêtement, je suis sur le cul là, chers amis. Hein. J'ai douté. Si vous saviez comment j'ai douté. C'est moi qui avais fait ça. Hein. C'est moi qui avais fait ça pour voir si elle avait une quête à me donner. Elle me donne 100 pixels. Ça fait deux fois, enfin, il ou elle. De toute façon, t'es un Floran, donc je t'aime pas. T'es un Floran, donc je t'aime pas. Niveau cube, qu'est-ce qu'on a? On pourrait faire la quête du bonhomme. Peut-être la faire. On va peut-être la faire. On va bien voir. Mais oui, t'as raison. Agenouille-toi devant moi. Je sais pas ce que tu fais avec tes mains, c'est très bizarre. Il va me falloir une source de lumière. Alors, c'est pas par là, effectivement. C'est par là. Alors, une source de lumière. Est-ce que je vais trouver ça, moi, personnellement? Déjà, je peux récupérer ça. Une source de lumière, ça doit être dans les fournitures, j'imagine. C'est les objets. Les fournitures, ça va être où? Déjà, je vais pouvoir prendre une table. Une table. Un lit, ce serait possible aussi, s'il vous plaît. Si j'en vois un, une source de lumière, j'en ai là, mais c'est pas celle qui m'intéresse le plus. Soyons honnêtes. Hop. Voilà. Et une chaise, un lit. C'est possible ou pas?
Une chaise et un lit, un lit, un lit en pierre, un pauvre lit en pierre. Fais-toi mal à ton dos. Tu vas aimer ça. Bon, bah, on n'a qu'un lit en pierre, hein. En tout cas, je vois pas les autres. Hop, parfait. Bon, bah écoutez, on va aller faire ça. Oula. Encore un cadeau? Oh, vous êtes mignon. Trois bandages. Bon, d'accord. Bon, ça serait bien si vous aviez autre chose à donner que des bandages, hein. Mais bon. Bon. Putain, l'interface m'a complètement mis sur le cul. Alors, parfait, on a un truc juste comme il faut ici. Hop. On va pas s'embêter, hein. Oh mince, je fais de la merde en plus. Ça fait tellement longtemps, chers amis. Si vous saviez. Et ça va être tellement différent quand la 1.0 arrivera. Oh putain. J'ai oublié les portes, nom de Dieu. J'ai complètement zappé les portes. J'ai complètement zappé les portes. Alors. Hop. On va faire ça comme ça. Hop. Et voilà. Crac. Faut qu'on achète les portes, cela dit, hein. Il va nous falloir des portes. C'était pas un comment un lit. Merde. Hop, hop. Hop. La lumière. Non, mais tu permets, tu dégages, s'il te plaît? On va la mettre là, la lumière, ça sera mieux. On va remonter. Il va nous falloir deux portes, chers amis. Ça pourrait être problématique. Ça pourrait être problématique parce que les portes, habituellement, je les garde pas de mémoire. De mémoire, de mémoire, de mémoire. Je ne les garde pas, ces portes. Mince, mince, mince. Il est lit d'ailleurs, apparemment. Ça, c'est bon à savoir. Effectivement, j'ai rien de ce côté. J'ai rien là non plus. Je peux avoir des portes là-dedans. C'est quoi ça? D'accord. On va peut-être une porte, ça. Non. Non, non, non. Bon. On n'a rien de ce côté-là. Et on va rien avoir de ce côté-là. Génial. C'est génial. C'est génial! Il va nous falloir crafter une porte. Et le craft, ça se passe en bas. Non, tu ne m'auras pas. Hop. Alors, on va mettre directement porte, on va pas s'embêter. D-O-O-R. Est-ce que je peux en crafter une? Sliding door. Parfait, avec des pixels. Bah écoute, tiens, hop, deux. On va retourner. Non, on prend l'ascenseur. On y pense. On reprend les bonnes habitudes. Ça se téléporte de n'importe où. Ça bourre la téléportation. C'était les préludes d'un comment d'un. Oula. Je ne me vois plus. Hop. Parfait. Et un colonie. Did. Voilà. Et donc normalement. Ah non, qu'un humain aimerait. Oh merde. Qu'un humain aimerait. Ah.
J'ai mis des fournitures Apex. Quel dommage. Dégage. Hop, qu'un humain aimerait. Oh là 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 là. Qu'un humain aimerait. On va aller voir notre ami. 3D print. Qu'un humain aimerait. Alors, attendez. Hop. Je reviens. Re, chers amis. Donc. On retourne là-dedans. On enlève ça. Je me suis renseigné sur internet. Il y a moyen. Si je mets à la place des portes. Des portes de prison. C'est très logique, hein. Qu'ici je mets ceci. Qu'ici je mets un chiotte. Un beau chiotte, hein, je précise. Par contre, j'essaie de me retrouver short en place pour mettre le colony deed. Je viens de voir ça. Fait chier. Sauf si je mets le chiotte sur la table. Qu'ici, je rajoute un mémo. Qu'ici, je rajoute un autre mémo. Non, tu veux pas. Voilà. Que je rajoute ceci et que je rajoute une lumière et normalement là c'est un humain. Alors ben, je l'ai fait. Ah non, faut qu'il y ait le weapon chest in it. Putain, elle est trop courte. Voilà. On va essayer. Il faut que ça attire un humain. Et voilà. Là, elle est bon, là. Elle est faite, la quête, là. On va remonter sur le vaisseau, on va aller voir. Là, je suis désolé, elle est faite, la quête. Oh, nom de Dieu. C'est parce que j'ai enlevé les chiottes. Je suis sûr que c'est parce que j'ai enlevé les chiottes. Ok, tu veux jouer à ce jeu-là, on va jouer à ce jeu-là. Hop. Ok, gros lag in-game, c'est d'une violence. Oh là 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 là. Lag in-game. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, ça sent le crash du jeu. Bon, c'est génial. Test numéro 397. Maintenant que j'ai agrandi la maison, que j'ai rajouté un truc, est-ce que si je rajoute un colony deed? Oui, ça passe! Oh putain! Reward bag. D'accord. Wedding. Oh, je vais être trop mignonne avec ça! Ah oui. Je suis mignonne. Bon, bah on a réussi!
On a réussi. Ah, j'ai dû passer en mode admin pour le faire, tellement j'avais des objets à chercher à droite à gauche. Putain. Donc, slash admin, voilà. Bon. Ce sera vraiment fait chier, hein. Oh putain. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre, chers amis, dans cette vidéo? Alors, j'avais vu tout à l'heure une autre personne avec une quête à me donner. Hop. Laisse-moi monter. Allez jusqu'au bout du rêve. Vas-y, donne. Fais péter. Merci pour les 100 pixels. Oh là, mais en dessous, ça me donnait du fric. Tellement bon. Alors, je vous rappelle que le jeu va être amélioré au niveau de sa commande, son optimisation. Hein. Parce que tout à l'heure, ils me donnent tous du PQ, par contre, ça commence à être chiant. PQ, chiant, blague. Non ? Oh, ça c'est pas du PQ. Ça c'est pas du PQ, mais c'est de la merde surtout. One sewage barrel, air glitch, sewers are place to look. D'accord. Non, j'ai cru voir un. Alors oui. Alors attendez, parce que pendant que j'étais en train de chercher ici tout à l'heure, moi. Merci pour les bandages. Elle. Ben voilà ce qu'elle s'amuse à faire, elle. Elle enlève la protection du vaisseau. Elle enlève la protection du vaisseau. Je vous jure, c'est une vraie saloperie. Elle s'amuse à enlever les boucliers. Oh là là. Bon, il y aura tellement de choses qui vont changer. Il faudra qu'on fasse un nouveau vaisseau au moment venu. Une nouvelle aventure avec un nouveau personnage. Hop, non, arrête. Non, c'est bon, elle l'a pas fait. Bon. A vrai dire, chers amis, je sais pas ce que je dois faire. Je sais pas si je dois continuer l'aventure ou pas. Sachant que la 1.0 arrive prochainement. Honnêtement, je dédoute. J'ai des gros doutes. Principalement, j'aimerais bien que la 1.0 arrive rapidement. Parce que voilà, quoi, on l'attend depuis longtemps. Et ils nous la teasent depuis longtemps. Et je trouve ça intenable. Alors, on sait tous que les devs aiment teaser leur mise à jour à l'avance dans ce jeu, hein, longtemps à l'avance, en disant qu'elles sont toutes proches. Mais ouais, là, je suis désolé, avec tout ce qu'ils nous teasent, on a envie d'y jouer. Maintenant, faut qu'ils se dépêchent. Donc ouais, je sais pas. Bon, peut-être faire des petites vidéos à chaque fois, en fait. Bah écoutez, les amis, on va se laisser là pour celle-ci, en tout cas. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, votre lien dans la barre de la chaîne. Vous pouvez aussi retrouver dans la bannière, c'est tout nouveau, chers amis. Un lien vers le Tipeee, si vous voulez, donc, tout simplement. M'aider à financer des ouvertures de box, donc de crates, dans Robocraft, sachant qu'il y aura aussi donc différents. Donc faut que j'attende que comment tout ça vienne. Hein. Pour l'instant, ils sont en train de valider ma. Ça se trouve, ma page n'avait pas forcément fonctionné, ça se trouve. Hein. Ils sont en train de valider ma page. Donc bah écoutez, moi je vous la remettrai. Je vais aller vérifier si c'est validé ou pas. Si c'est les pas, je vous ferai attendre un petit peu pour le Tipeee. Mais il y aura aussi donc des différents autres objectifs à atteindre, comme par exemple la rouverture d'un serveur Starbound. Ça pourrait être sympa lors de la 1.0, mais je veux pas que ce soit chez OMG Serve. Je trouve que leurs serveurs sont pas top. Ils sont vraiment instables. Et bon bah voilà, c'est pour ça que j'ai pas renouvelé chez eux. Pour vous dire, ça fait une semaine que j'ai fait la demande d'avoir la sauvegarde du serveur. Ils m'ont même pas répondu encore. La tristesse. La grande tristesse. Donc voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.